d'abord, pour moi, c'est du jamais vu. En fait, une formation gratuite est assez importante. C'est du jamais vu pour moi. Alors, je tiens à remercier l'ONG UWCA et en français, Union chrétienne du Togo pour cette initiative. Nous sommes tous très reconnaissants pour ces genres d'ateliers qui ont eu à nous entretenir et nous leur en demandons encore plus. Parce que ça ne doit pas s'arrêter là pour nous. Nous leur remercions. Au nom de tous les membres, de tous les formés, je tiens à remercier l'association. Une fois encore, merci. Lors de notre formation, nous avons appris à faire des chaussures, des sacs et plus des chaussures. Vraiment, je suis très ému. J'ai vraiment aimé la formation et je tiens à remercier nos formateurs et formatrices, l'organisation qui a financé ce projet et aussi tous les participants et participantes qui ont donné d'eux-mêmes pour que ça soit une réussite. Tout d'abord, avant de commencer ce projet, on était un peu, on avait peur parce que les jeunes n'avaient pas totalement confiance puisque cette formation est totalement gratuite. Et à la fin, nous allons les, pour ne pas dire financer, mais nous allons les aider à réaliser ce qu'ils ont appris. Donc, je vais dire que c'est une première réussite, cette première phase a été une réussite car tout le monde est content d'avoir réussi. Possession à venir, c'est que du 8 au 14 août, nous avons la deuxième phase qui se tiendra à Gombe, donc nous invitons massivement les jeunes d'Agbelouvé à aussi participer à cette formation pour être capable de pouvoir créer soi-même ou de pouvoir se gérer soi-même à l'avenir.